Madame, le prix de d'or. On vous écoute. Pour l'édition 2022. Le moment tant attendu de la soirée est enfin arrivé. Prémis d'or 2022 entre KS Brown et puis Didibé, ça a été vraiment chaud, ça a été vraiment chaud et finalement, c'est lui là qui a pris. Je vais vous laisser suivre la vidéo. Mais aussi, il y a d'autres qui disent que c'est combine, je crois qu'il n'y a pas tellement de combine dedans. Restez jusqu'à la fin. À la fin, je vais essayer de vous montrer comment ils ont fait un peu les calculs parce que c'est pas le même pourcentage en fait. Suivons cette vidéo des récompenses d'abord. À la fin, on va expliquer les choses. Allons-y. Comme il avait promis, vraiment merci. On va appeler... La première responsable des House Vision, regardez la dame, elle a mis les petits plats dans l'écran et vous pouvez avoir confiance en elle. Après c'est la démarche, hein. Où sont les valets? Récupérez madame quand même. Hein. Et donc c'est elle qui a la lourde tâche, la grande responsabilité de déclarer ouais. Ici devant toute la Côte d'Ivoire et toute l'Afrique. J'aimerais aussi remercier tous nos partenaires médias, merci à la 3, merci à Trace. Merci à Etsy, merci à Ivoine TV. Je sais que ça ne plaît pas, mais merci à toute la presse digitale qui sont là, qui sont écrits tous les jours. Merci à Live TV et le groupe aussi. Merci à RFI. Il faut dire les noms, on va avancer. Oui. Merci à tout le monde. Dis le nom du gagnant, on va avancer. Oui. Voilà. Je vais passer le micro. On va c'est ça qu'il s'agit. Notre parrainé. Qui va changer la vie d'un artiste ce soir. Envoyez-lui la carte, s'il vous plaît. Wow, madame, je n'aimerais pas être à votre place. We want to say thank you to everybody that was here tonight. And this is going to be the final result. Thank you to NCE, thank you to everybody. Thank you. La 3. Thank you, La 3. L'année prochaine, il va rien aussi. Je sais pas ce que vous avez dit, tu prononces bien. Thank you. Thank you. Madame, le prix de d'or. On vous écoute. Pour l'édition 2022. Le moment tant attendu de la soirée est enfin arrivé. Alléluia! KS Blue. KS Blue. Je vais essayer d'expliquer un peu voilà, comment les choses se sont faites.
Bon, on est un peu fatigué, on va pas faire long dans le discours. Je pense que on aura tout le temps de communiquer sur nos pages officielles dès demain. Mais je tenais à remercier Dieu, c'est la base. Remercier M Group, le Père Mola, remercier mon frère Didi pour son esprit de fraternité. Parce qu'au-delà de tout ça, on est des frères. C'est la culture ivoirienne qui gagne. Et on est ensemble. La musique ivoirienne est bénie au nom de Jésus. Amen. Merci à tous les téléspectateurs. Merci à tous les téléspectateurs. Merci à Yves. Merci à Gilles Kivet. Merci à Yasmine. Merci à Annie Fons. Merci à tous ceux qui ont tenu cette soirée. Ici, il y a quelques polémiques. À chaque fois, c'est comme ça. Lorsqu'il y a un gagnant, il y a des gens qui vont toujours dire qu'il y a de la tricherie. Je vais essayer de vous expliquer ça. Ce qui a fait que tout le monde a pensé que c'est Didi B qui allait gagner, c'est selon les votes par Internet. Et pourtant, ça comptait seulement qu'il y a 20%. À 20% des résultats. C'est-à-dire, pour les membres du jury, là, ça comptait 40%. Et pour les votes venant des SMS, ça comptait à 40%. Maintenant, les votes de venant de l'Internet, ça comptait seulement qu'à 20%. Regardez un peu. Lorsqu'on prend au niveau de l'Internet, là, vous voyez qu'il y a une très grande différence. Regardez ici. Ici, on voit que KS Brown avait 43%. Et Didi B dépassait à plus de 10%. 54%. Environ 11%. C'est ce qui a fait que beaucoup de personnes ont pensé que non, c'est Didi B qui allait gagner. Non. Ici, là, ça compte seulement que 20%. Le vote par SMS, ça compte 40%. Et la décision des membres du jury, ça aussi, ça compte 40%. Donc, si KS Bloom a gagné deux fois là-bas, c'est sûr que non, il allait remporter ça. Donc, ne vous fiez pas à ça. Et aussi, beaucoup de personnes, ce sont les résultats qui étaient plus accessibles. C'est ce que tout le monde pouvait consulter. Les votes par SMS, on ne pouvait pas consulter ça. La décision des membres du jury aussi, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas savoir. Donc, tout le monde a pensé que c'était Didi B. Même Didi B, quand il est venu prendre le trophée de meilleur, c'était meilleur quand même. Meilleur, c'était un meilleur quoi même qu'il a, meilleur hit ou bien c'est quoi. Il a pensé que c'était lui-même qui allait prendre les premiers dollars. Et du coup, il s'était vraiment vu s'exclamer que non, il va repartir avec beaucoup de trophées, mais malheureusement. Alors souvent, les choses ne se passent pas comme on le souhaite. Et aussi, souvent, ça peut presser ça. Ce qui a fait que non, Didi B, il a eu beaucoup de voix ici. En fait, la majorité des gens qui ont voté pour lui ici, là, les votes, là, c'est gratuit. À travers ta connexion, tu votes facilement sans rien dépenser. Et pourtant, le vote par SMS, là, c'était payant. Donc, du coup, KS Brown, lui, il est plus suivi par des personnes, bien dit, les personnes qui ont payé les moyens, les personnes matures, qui peuvent voter 1000 fois. Malgré que c'est pas cher, mais bon, la majorité des gens qui suivent Didi B, là, ce sont des personnes qui sont pas trop, vous voyez un peu, non. C'était à peu près même chose comme Arafat. Arafat avait beaucoup de fans, mais sur le plan de streaming, là, il n'avait pas beaucoup de streaming. Quand il avait des trucs, où il fallait parler de gens, peut-être des choses à acheter comme ça, de soutien financier comme ça, il n'y avait pas trop de soutien comme ça. C'est à peu près même cas que pour Didi B, là. Ces femmes n'ont pas tellement les moyens. C'est ce qui a fait que le niveau de vote par SMS, là, il n'a pas trop pris là-bas. Donc, c'était à peu près ça. Voilà. Il n'y a pas de tricherie. Et bon, quand même, c'est la culture ivoirienne, hein. C'est la musique ivoirienne qui gagne. Donc, du coup, il n'y a pas tellement de choses à critiquer dedans. C'est que
bonne chance à tout le monde pour l'année prochaine encore. Voilà. Merci à vous. Donnez aussi tous vos avis dans l'espace commentaire. Je veux vraiment voir votre avis. Est-ce que c'est comment? Qu'est-ce que vous pensez? Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Merci à vous et bye bye.